Good evening, everyone. Bonsoir à tous. I hope you're all very well. J'espère que vous allez tous bien. And I hope that you've got your Bibles and you're ready to go through some of the words this evening. Et donc, j'espère que vous avez vos Bibles prêtes, et nous allons voir la parole ce soir. I pray you've been having a good day. J'espère que vous avez passé une belle journée. And that you're well. Que vous allez bien. My camera is a little bit funny, so because I'm a bit shorter, so I will look like I'm looking down, I think, but I am looking at you. Ma caméra n'est pas très bien réglée. J'ai l'impression d'être assez bas, mais sachez que je vous regarde. Okay, so let's get into it. Let's pray. Donc prions. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. We give you honor and we give you glory. Nous te donnons l'honneur et te donnons la gloire. Thank you for the opportunity to be able to look into your word again. Merci pour l'opportunité que nous avons de pouvoir regarder encore de nouveau dans ta parole. To learn more about you and what you would have us do in this life. D'apprendre encore plus te concernant et ce que tu veux que nous fassions dans cette vie. We pray that you meet us at the reading of your word. Nous prions que nous puissions avoir une rencontre avec toi en lisant ta parole. And that you give us wisdom and knowledge. Que tu nous donnes la sagesse et la connaissance. But most of all, we ask that you give us understanding. Et au plus, nous te demandons que tu puisses nous donner l'intelligence, la compréhension. So that we are able to use what we're taught today. Afin que nous puissions utiliser ce qui nous est enseigné aujourd'hui. So that it makes a difference to our lives. Afin que cela puisse faire la différence dans notre vie. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Okay, so let's get right into it. We've got quite a few chunks of scripture to look at. Et donc, allons-y directement. Nous avons quelques versets à regarder. But we're going to be looking at some familiar scripture today from a slightly different angle. Nous allons regarder des versets qui nous sont familiers. Nous allons regarder sous des angles différents. So if you want to get your Bible and let's go to Mark. Allons dans le livre de Marc. So let's go to the book of Mark, chapter... Let's start in chapter 4. Nous allons commencer au chapitre 4. So that's the book of Mark in the New Testament and that's chapter 4. Marc dans le Nouveau Testament et c'est le chapitre 4. We're going to start from the very beginning. Nous allons commencer vraiment au début. From verse 1. À partir du verset 1. And basically we're going to be talking about the storm. Et nous allons parler de l'orage. We're going to be talking about some lessons from the storm. Et nous allons voir des leçons que nous pouvons retirer de l'orage, de la tempête. I think that most people will be familiar with the story in one way or another. D'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre nous, nous sommes familiers avec cette histoire. But we're talking about the time when Jesus was in the boat, in the storm. Donc, nous connaissons l'histoire lorsque Jésus était dans le bateau, dans l'orage, dans la tempête. And a storm hit and his disciples were wondering where he was. Et donc, l'orage avait grondé et ses disciples se demandaient où il se trouvait. Now, this scripture has been preached about everywhere. Et cette écriture est prêchée presque partout. For many, many years. Depuis beaucoup d'années. But we're going to look at it slightly differently because we're going to look at what happened both before the storm and after the storm. Et nous allons regarder cela un peu différemment. Nous allons voir ce qui s'est passé avant la tempête et après la tempête. Wonderful. So let's look at chapter 4, verse 1. Donc regardons dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 1. And I'm just going to read from verse 1 through to... I'm going to read probably down to verse 12 or so, and then let's go from there. Et donc, je vais lire du verset 1, peut-être jusqu'au verset 12. Okay, so with verse 1, it says, And he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. Verset 1, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. And he taught them many things by parables and said unto them in his doctrine,
Hearken, behold, there went out a sower to sow, and it came to pass as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up, and some fell on stony ground where it had not much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. And others fell on good ground and did yield fruit that sprang up and increased, and brought forth some 30, and some 60, and some 100. And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear. And when he was alone, that they were about him with the 12, asked of him the parable. And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables, that seeing that they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. And he said unto them, Know ye not this parable, and how then will ye know all parables? So that's up until verse 13. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12 interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Amen. Amen. So the first thing that I want you to kind of understand is that before the storm, because the storm is coming. La première chose que j'aimerais que vous compreniez, donc avant la tempête, parce que la tempête arrive après. What happened was that there was an influx of teaching. Et donc Jésus a donné tout plein d'enseignements. Jesus was teaching key parables and principles to live by. Jésus enseignait des paraboles et des principes par lesquels il fallait vivre. And the disciples who would experience the storm were actually witnesses to this. Et donc, les disciples qui allaient donc participer à cette tempête avaient reçu cet enseignement. And they took part in the teaching that was going forth. Et donc, ils ont vraiment pris part à cet enseignement qui était donné. Now, what we'll see is that Jesus taught two key parables within the time frame before the storm. Et donc avant cette tempête, Jésus a enseigné deux paraboles. The first one was the parable of the sower. La première parabole était la parabole du semeur. And the second one was the parable of the mustard seed. Et la deuxième parabole, c'était la parole de la semence de moutarde. So what I want us to get from this section, ce que je veux que l'on puisse comprendre ici, is that if we cast our minds back, si nous pensons en arrière, then we will normally notice that although God isn't the one orchestrating the storm, he will prepare us for it. Bien que ce ne soit pas Dieu qui orchestre la tempête, il nous prépare pour cela. So in chapter 4, verse 1, it begins with the word, and he began again to teach. Le chapitre 4 commence avec ces mots qui dit, de nouveau, Jésus se mit à enseigner. Now because it says again, then we know that it wasn't the first time. Parce qu'on dit de nouveau, cela veut dire que ce n'était pas la première fois. Jesus had been teaching, and so he was building up those people who were hearing the word and who wanted to hear the word. He had been teaching for some time. Jésus enseignait depuis un moment parce qu'il voulait édifier, construire les gens qui recevaient son enseignement. He was making available
understanding of the word, and he was making available understanding of the kingdom for anybody who wanted to hear it, including his disciples. Pour tout le monde qui voulait entendre, inclus ses disciples, il rendait disponible la compréhension de la parole, la compréhension de ce qu'est le royaume. Verses 1 to 13 details him teaching the people the parable of the sower, but he also makes sure that he marks exactly how important it is. Et donc, du verset 1 à 13, Jésus explique donc la parabole du semeur et on voit très bien comment il s'attache à ce que les gens comprennent son enseignement. And he particularly emphasizes that when he realizes that even those closest to him, who were the disciples, they were not fully understanding what he meant. Il a vraiment mis l'accent, il a insisté sur le fait que même ceux qui étaient près de lui, ses disciples, ne comprenaient pas pleinement son enseignement. He actually says, how is it possible for you to discern and understand all the other parables if you cannot discern and understand this one? Il a dit, comment est-ce que vous pouvez comprendre et discerner les autres paraboles si vous ne comprenez pas et vous ne discernez pas celle-ci? If we now go to verse 14, we'll see that he now begins to explain the parable all over again. Et donc, si nous allons au verset 14, nous voyons qu'il explique de nouveau la parabole. So, verse 14, it says, the sower sows the word, and these are they by the wayside where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. And these are they likewise, which are sown on stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness and have no root in themselves. And so endure but for a time. Afterwards, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. And these are they which are sown amongst thorns, such as hear the word and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things, entering in, choke the word, and it becomes unfruitful. And these are they which are sown on good ground, such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. So that's from 13 to 20. Donc, à partir de 14, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Amen. So from 14 through to 20, he explains everything again and he's trying to give understanding for people to know what he's talking about. Et donc de 14 à 20, il explique de nouveau la parabole et il s'attache à ce que les gens comprennent vraiment ce dont il parle. Jesus is actually giving us understanding about the way in which we receive the word. Jésus nous donne la compréhension de la manière dont nous recevons la parole. And not only that, the way that we must protect the word that we receive within us, because that determines the results that we can enjoy. Mais également la manière dont nous devons protéger la parole que nous recevons parce que cela va déterminer le succès que nous aurons. Our willingness and our ability to create an environment within our hearts and our minds to receive the word. Donc notre volonté, notre capacité à créer un environnement dans notre pensée pour recevoir cette parole will determine how well the word is able to work to change our lives. Va déterminer comment cette parole va agir et pouvoir changer nos vies. The importance of the word is paramount. L'importance de la parole est vraiment essentielle. So let's jump to verse 26. Allons au verset 26. Because in verses 26 to 32, he teaches about the kingdom being like a mustard seed. Et donc, du 26 au 32, il enseigne la parole de Dieu comme étant une semence, un grain de sénévé.
In its tiny state, it's sown into the earth. Et donc, dans son état si minuscule, cette semence est semée dans la terre. And it's actually looked at as less than other seeds because it's so small. Elle semble encore plus petite que toutes les semences que l'on peut trouver parce qu'elle est tellement petite. However, once it's planted, it grows into a mighty tree which is able to provide shelter and protection to those who seek it. Lorsqu'elle est plantée, elle devient un arbre puissant qui est capable de donner de l'ombre à toutes les personnes qui en recherchent. So again, we need to understand that he's talking about the word. Nous devons comprendre encore qu'il parle de la parole. This is the word when it's sown into receptive ground. C'est la parole qui est semée dans des terres qui sont réceptives. It can then grow a faith which towers over whatever's around it. Et donc qui fait grandir donc notre foi qui domine sur tout ce qu'il y a autour. Not only that, it provides shelter in a time of need. Et non seulement cela, elle pourvoit un abri lorsque l'on en a besoin. Jesus reiterated the foundational importance of the word and of faith. Jésus a réitéré l'importance donc du fondement de la parole et de la foi. And he did all of that before they entered into the ship where they experienced the storm. Il a fait tout cela avant qu'ils ne montent dans le bateau et avant d'expérimenter la tempête. Remember the fact that he let them know that sometimes the attack comes for the word's sake. Souvenez-vous qu'il a dit que parfois les attaques viennent à cause de la parole. And so they find themselves in verse 35. Donc ils se trouvent donc au verset 25. Which is on the same day that he's taught all of these things. Et donc c'est le même jour il a enseigné toutes ces choses. And on that evening Jesus says, let's go to the other side of this lake. Pardon, pas le verset 25, mais le verset 35. Et Jésus leur dit, ce même soir, passons à l'autre bord. OK. Everyone with me so far? Et vous me suivez jusqu'à présent? So now we've seen what happened before the storm. And we've seen that Jesus was teaching and preparing people's hearts. Nous avons donc vu ce qui s'est passé avant la tempête. Jésus enseignait et préparait le cœur des gens. So if we go to verses 35 to 41, that's when the storm actually takes place. Et si nous allons du verset 35 au verset 41, là, la tempête arrive. Now we always talk about, you know, verse 1, verse 2, just so that we can find it. But do remember that this is a day, this is a continued, these are events which are continuing. It's just one day that's running from the day through to the evening. Et donc souvent on parle du verset 1, du verset 2, mais il faut se rendre compte que jusqu'au verset 41, c'est au fait une suite d'événements qui se passent dans la même journée, du matin au soir. So if we look in verse 35, we can see that Jesus says that let us pass over onto the other side. Et donc au verset 35, Jésus dit passons à l'autre bord. But the next verse also lets us know that the ship that Jesus was in was not the only ship that was there. Et donc, le verset 36 nous fait comprendre que le bateau dans lequel Jésus était n'était pas le seul. There were several other ships, so they weren't alone going out on this trip. Et donc, il y avait d'autres barques avec eux, ils n'étaient donc pas les seuls. There was a number of people out on the water. Il y avait un nombre de personnes qui étaient là sur l'eau. We then see that there arose a great storm. Et nous voyons qu'il y a eu un grand tourbillon. And that the waves beat the boat. Et donc les vagues se jetaient sur la barque. Now sometimes, especially if you are not someone who really spends much time on the sea, you might underestimate the severity of that storm. Et donc si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'aller sur l'eau, vous pouvez sous-estimer la puissance de cet orage. But it's important to understand that the word tells us that the storm was so severe that the boat was full. Et vous devez comprendre que la Bible dit que l'orage était tellement puissant que les barques se remplissaient d'eau. The waves were so strong, the wind was so strong that the ship was actually being flooded. Et donc les vagues et le vent étaient tellement forts que les barques commençaient à être remplies d'eau, elles étaient secouées. The thing is the ship was being flooded and flooded ships usually get submerged. Et donc, les bateaux commencent à être remplis d'eau, et les bateaux remplis d'eau, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils coulent.
So we need to remember that they were in very real danger. This wasn't just a figment of their imaginations. They were getting ready to sink. Nous devons donc savoir qu'ils étaient vraiment en danger. Ils étaient prêts de couler. Ce n'était pas leur imagination qui fonctionnait. So in the midst of all of this, when you're in a boat which is almost getting ready to sink, where is Jesus? Et donc, au milieu de cela, vous êtes dans une barque qui est prête à couler. Où se trouve Jésus? You'd think that he would be right there, right? On pense qu'il serait là, non, n'est-ce pas? But where was he? He was at the back of the ship and he was asleep. Jésus était à l'arrière de la barque et il dormait. The storm was so bad that it looked like the boat was about to capsize because it was getting flooded and Jesus hadn't even gotten up from his sleep. Et donc le temps était tellement mauvais que le bateau était prêt de chavirer, mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de dormir. The disciples actually had to wake him up. Et en fait, les disciples ont dû le réveiller. Can you imagine being in a storm on a boat? So it's not on dry land and you're not stable. Et donc vous pouvez vous imaginer, vous êtes dans un tourbillon, vous n'êtes pas sur la terre sèche, vous êtes au milieu de l'eau. And the storm is so crazy. Et le tourbillon, l'orage est tellement fort. You're on the brink of sinking. Que vous êtes près de couler. But you stay asleep for the whole thing. Mais vous restez endormi pendant que tout cela se passe. I mean, this is a different level of sleep. Ça, c'est un autre niveau de sommeil. The disciples had to wake him up. Les disciples ont dû le réveiller. You'd think that that would be impossible. They had to wake him up. But then what was his immediate reaction? Vous pensez que cela peut être impossible, mais ils ont dû le réveiller. Et quelle a été sa réaction? I don't know about you, but not everybody that I know likes to be woken up. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi je connais beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on les réveille. If you're deep in your sleep and someone comes and rushes to you and says, "Don't you care about us? We're going to die." Vous êtes profondément endormi et quelqu'un vient vous secouer. Tu ne te soucies pas de nous, nous allons mourir. That would be very stressful for you, for most people, to wake up. Pour la majorité des gens, ce serait très stressant d'être réveillé de cette manière. But what does Jesus do? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? He literally wakes up. Il s'est levé littéralement. Il s'est réveillé. And he goes straight to the issue. Et il a adressé directement le problème. He simply gets up. Il s'est simplement levé. Rebukes the wind. Il a grondé l'orage. Speaks to the sea. Il a parlé à la mer. And then everything's calm. Et tout s'est calmé. And then what happens next? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? He asks his disciples, "What were you scared of?" Il a demandé à ses disciples, "Mais de quoi avez-vous peur? Why are you so fearful?" Pourquoi êtes-vous tellement plein de crainte? And then he asks them something very important, "Where is your faith?" Et il leur a posé une question importante, "Mais où est votre foi?" Jesus has literally been teaching about faith all day. Toute la journée, Jésus avait enseigné sur la foi. And he told them that immediately when the word is sown, then attacks come for the sake of that word. Et il leur avait dit que lorsque la parole vient, les attaques viennent juste pour voler cette parole. And this is not the first time that he's teaching, so this is not completely new news to them. Et ce n'est pas la première fois qu'il enseigne, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux. But the moment that they actually have to work that word. Mais au moment où ils ont dû utiliser cette parole, they were unable to. Ils ont été incapables de le faire. So let's take this back and apply it to ourselves. Donc prenons cela et appliquons cela à nous-mêmes. So we are in a storm. Nous sommes dans une tempête. And we've been in one collectively for months. Et, sorry, Pastor Minister. We've been in one collectively for months. All of us have been in one for months. Et donc, nous avons été tous ensemble depuis des mois. Some of us are dealing with storms personally. Certains d'entre nous font face à des orages dans leur vie personnelle. But we can agree that all of us have found that this year has been a wild year. Et nous sommes tous d'accord que cette année a vraiment été une année bizarre. And there is so much going on that we don't even understand.
Et il y a tellement qui se passe qu'on ne comprend même pas. But in this situation, Jesus models for us how we should find ourselves. Mais dans cette situation, Jésus nous a dit comment nous devons nous comporter. He was at peace, Il était en paix. Even at the peak of the storm. Même au plus fort de la tempête. But only because he was settled in his authority. Simplement parce qu'il était établi dans son autorité. But how did he become settled in that authority? Et comment est-ce qu'il a été établi dans son autorité? By understanding who he was through the word. En comprenant qui il était au travers de la parole. Now remember, Jesus was teaching them on the side of the water until, you know, and he got into a boat so that he could see and speak to them more. Souvenez-vous, Jésus leur enseignait au bord de l'eau et puis il avait décidé de passer de l'autre bord afin de donner encore plus d'enseignements. But his understanding and his knowledge of the word didn't start there. His started when he was a child going to the synagogue. Mais sa compréhension de la parole n'avait pas commencé à ce moment-là. Elle avait commencé lorsqu'il était un enfant dans la synagogue. He had used the word to understand who he was. Il avait utilisé la parole pour comprendre qui il était. And so when the time came, that word was able to rise up. Et donc, lorsque le moment est venu, cette parole a pu se lever. And let's ask the question. He asked them, where was your faith? Et il leur a posé la question, mais où est votre foi? But where does faith come from? Mais d'où est-ce que cette foi vient? How do you get faith? Comment est-ce que vous obtenez de la foi? We're told in Romans that faith is a product of hearing and hearing and hearing the word of God. On nous a dit dans Romains que la foi, c'est le produit qui fait qui vient du fait qu'on entend et on entend et on entend la parole de Dieu. But you see in chapter 4 that Jesus also teaches the fact that once you've heard the word, it's about how you receive the word, which is what will end up yielding. Et nous avons également vu ici dans Marc 4 que c'est également de la manière dont nous recevons la parole qui va nous donner au fait le but final, le résultat final. If you have effective hearing, si vous avez une audition efficace and you couple that with effective receiving, et vous couplez cela avec une réception efficace, what should now happen is you should have efficient faith. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez une foi efficace. So that in the times of the storms, which always come, donc, avec cela, lorsque la tempête va arriver, et cela va toujours arriver, we're able to stand. Vous serez capable de tenir. Now we can only stand during some of these storms if our word-watered faith is strong. Nous pouvons seulement tenir dans ces moments de tempête qu'à partir du moment où la parole et la foi est forte en nous. Now, it might seem really basic. Cela peut sembler vraiment quelque chose de base. But without that foundation, mais sans ce fondement, when real problems begin, we will have no way to cope. Quand les vrais problèmes vont arriver, nous ne saurons pas comment gérer cela. There's no framework for us to begin to cope with what we're dealing with. Nous n'aurons pas de cadre pour savoir comment gérer tout cela. And he prepared them for what was coming literally hours before. Et Jésus les avait préparés avant que la tempête n'arrive. Il les avait préparés quelques heures avant. And he taught them because he knew that they'd need it. Et il les avait enseignés parce qu'il savait qu'ils en avaient besoin. Now, if you remember, earlier on, I said the fact that we need to really remember that before the storm. Si vous vous souvenez, j'ai dit auparavant que nous devons nous souvenir de tout cela avant la tempête. Although God is not necessarily orchestrating a storm, he will prepare us for it. Bien sûr, Dieu n'orchestre pas la tempête, mais il nous prépare pour faire face à la tempête. And everything that's been happening around the world, really, from March. Et donc tout ce qui se passe dans le monde entier depuis mars. If we remember, there were words that were spoken in February and in January, and definitely at the end of December, which were speaking
to this time. Si vous vous souvenez, il y avait des paroles qui ont été données en février, en janvier et même en décembre et qui parlaient de moments tels que nous les vivons maintenant. God had sent words to prepare us for this time, but it's really a question of how did we receive those words? How did we hear those words? Dieu nous a envoyé la parole pour que nous puissions nous préparer pour ces moments. Mais la question est, comment est-ce que nous recevons, nous assimilons cette parole? Because many of us are finding ourselves in a place where our faith is lacking because we didn't really hear and receive those words as effectively as we could. Beaucoup d'entre nous, nous nous trouvons à manquer de foi parce que nous n'avons pas vraiment entendu et reçu cette parole de manière efficace. But the good thing about this is that even as we see with the disciples and what carries on happening with them, mais la bonne chose, c'est que nous le voyons même avec les disciples. Even though they weren't able to effectively use their faith on that occasion, bien qu'ils n'ont pas été capables d'utiliser leur foi de manière efficace dans cette occasion-là, they did find the faith to be able to deal with others. Ils ont trouvé la foi pour pouvoir gérer les autres. It is never too late to grow your faith. Il n'est jamais trop tard de grandir dans votre foi. And if we go back to the simple principle about watching how we receive the word, how we hear it and how we receive it, si nous revenons au principe qui est de savoir comment est-ce que nous entendons la parole et comment est-ce que nous la recevons, then we can be sure to be in a position where we can find ourselves with strong faith to deal with the storm. Nous pouvons être sûrs que nous allons nous trouver dans une position où nous aurons une foi forte et nous pourrons faire face à la tempête. Then we'll find ourselves in the same position as Jesus, which is a position of peace. Et donc nous nous trouverons dans la même position que Jésus, qui était en fait dans une position de paix. And a position of authority. Et dans une position d'autorité. Where we're able to speak to the sea and speak to the wind and find the calm. Il a été capable de parler à la mer, de parler au vent et le calme est arrivé. Okay, so we're on the home straight now, because I'm not going to keep you long. So, donc, nous arrivons vers la fin. Je ne vais pas vous garder longtemps. So let's go to chapter 5. Allons au chapitre 5. And let's talk about what happens after the storm. If we find ourselves in a storm, what's the benefit afterwards? Donc, que s'est-il passé après la tempête? Si nous nous sommes trouvés dans une tempête, quels sont les bénéfices que nous avons après la sortie de cette tempête? Now, although in the moment, it felt like as if they were going to be wiped out on that boat. Et bien qu'à un certain moment, ils ont cru qu'ils allaient être balayés par cette tempête, the application of strong faith and authority didn't allow that to happen. L'application d'une foi forte et de l'autorité n'ont pas permis que cela se produise. And so what was the result? Et donc, quel a été le résultat? Three things. Trois choses. Healings. Les guérisons. Restoration. La restauration. Amen. And spreading of the gospel. Et l'étendue de l'évangile. Okay, so let's look at chapter 5 of Mark, the book of Mark. Et donc, regardons le chapitre 5 du livre de Marc. And we're looking at verses, just straight from the beginning, verse 1, and we're going to read down until verse 19. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 19. And they came over onto the other side of the sea, onto the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him, and always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. And when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, and cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there were there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding.
And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirits went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea, and they were about 2,000, and were choked in the sea. And they that fed the swine fled and told it in the city and in the country. And they went out to see what it was that was done. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and clothed and in his right mind. And they were afraid. And they that saw it told them how it befell to him that he was possessed with the devil and also concerning the swine. And they began to pray him to depart out of their coasts. And when he was coming to the ship, he that had been possessed prayed him that he might be with him. So he asked that he wanted to be with Jesus. Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee and hath had compassion on thee. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Jésus, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent que le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amen. » Amen. So what we're really talking about there was really deliverance from what was showing up as mental illness. Ici, nous voyons la délivrance de ce que l'on peut appeler une maladie mentale. There was a healing that took place. This man was under oppression from the enemy. Et donc, il y a une guérison qui s'est produite. Cet homme était sous l'oppression de l'ennemi. To such a degree that he was harming himself. À un tel point qu'il se faisait du mal à lui-même. And Jesus came along and this oppression recognized who they were dealing with. Et donc, et Jésus est venu et ceux qui l'opprimaient ont reconnu avec qui ils devaient faire face. He was able to heal this man to such a degree that people didn't even really recognize him. Il a été capable de guérir cet homme à un tel point que les gens ne le reconnaissaient même pas. And when they did, they couldn't believe what they were seeing. Et ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. They were marveling at what God had done. Ils étaient étonnés de ce que Dieu avait fait. But interestingly, Jesus didn't allow the man to go with him. Ce qui est intéressant, Jésus n'a pas permis à cet homme de le suivre. This man was ready to be another disciple and to follow him around. Cet homme était prêt à devenir un autre disciple et de le suivre partout. But Jesus said to him, "No, go home and tell people how God has had compassion on you."
Jésus a dit non, va à la maison et raconte aux gens la compassion que Dieu t'a montrée, comment il a eu pitié de toi. Tell people what God has done for you. Dis aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Spread the gospel. Spread the good news. Étends l'évangile, étends la bonne nouvelle. Let's jump up to verse 22. Allons au verset 22. And we won't read everything, but in that case, we're talking about Jairus and his daughter. Nous n'allons pas tout lire, mais ici, on parle de l'histoire de Jairus et de sa fille. Jairus was one of the leaders of the synagogue. Jairus était un des dirigeants de la synagogue. And so really, he wasn't even meant to talk to Jesus very much. En fait, il ne devait même pas parler à Jésus. These were the same people that were saying that Jesus was working against the faith. C'était les mêmes personnes qui disaient que Jésus œuvrait contre la foi. But his daughter was so ill. Mais sa fille était tellement malade, si malade, that he felt that his option, the only option was that he needed to speak to Jesus. Qu'il avait trouvé que la seule option qui lui restait, c'est d'aller trouver Jésus. Because he truly believed that if Jesus got involved, that there would be healing. Parce qu'il croyait vraiment que si Jésus s'impliquait, sa fille serait guérie. But then in the midst of him telling Jesus about that, et pendant qu'il parlait à Jésus de cela, here comes somebody else who needs healing. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui a besoin de guérison. And if we look at verses 25 through to 34, et si nous lisons du verset 25 au verset 34, then we're talking about and looking at the story of the woman with the issue of blood. On parle de l'histoire de la femme qui a cette perte de sang. We have a lady who is bleeding incessantly for 12 years. Nous avons ici une femme qui saigne incessamment depuis 12 ans. Can you imagine having an affliction that troubles you at every hour of every day for 12 years? Pouvez-vous imaginer que vous avez une affliction qui vous touche à chaque moment, la nuit ou le soir depuis 12 ans? The scripture says that she had gone to see every single doctor and no one could give her any solution. Les Écritures nous disent qu'elle est allée voir des médecins et personne n'a été capable de lui donner une solution. And according to tradition, because of this issue, she wasn't even meant to be out. Et selon la tradition, à cause de ce problème, elle n'était même pas supposée sortir. It was seen as being unclean, and so really she should have been in her house. And being taken and looking after herself there. Elle était considérée comme étant impure et elle aurait dû rester dans sa maison prendre soin d'elle. But the desperation for a solution caused her to leave the security of her home and actually make what was a dangerous mission to find Jesus. Elle était tellement désespérée, sorry, de trouver une solution qu'elle a quitté la sécurité de sa maison pour aller dans le danger, aller rechercher une solution vers Jésus. She said that if I can just touch Jesus' garment, he doesn't even have to speak to me, but I have the faith that if I can just touch him, I will get my healing. Et donc elle s'était dit, Jésus n'a même pas besoin de me parler. J'ai juste besoin de toucher son vêtement et je serai guérie. And her faith was absolutely correct because the moment she was able to get access, she got her healing. Et sa foi était correcte parce qu'à partir du moment où elle a pu le faire, elle a eu sa guérison. Jesus actually turns around at verse 30 and says, "Who touched my clothes?" Because he could feel the virtue leaving him. Et donc pendant qu'elle se détournait, Jésus s'est tourné et l'a dit, "Mais qui a touché mes vêtements?" Parce qu'il a senti qu'une vertu l'avait quitté. He has an interaction with this woman and talks to her and lets her know that it's because of her faith that she is whole and that she should go in peace. Il entre en interaction avec cette femme et lui dit que à cause de son espérance, à cause de sa foi, elle a été guérie. Now she does all of this and this all happens right at the time when Jairus is asking about his daughter who is so sick that they're scared that she's going to pass. Et tout cela se passe pendant que Jairus attendait, parce que sa fille était si malade, et il attendait que Jésus intervienne. As soon as this lady has gone, then someone informs them that indeed Jairus's daughter has passed away. Et donc, à partir du moment où cette femme s'en va, quelqu'un arrive et dit à Jairus que sa fille est décédée. They actually say to him,
Stop bothering Jesus. It's done now. En fait, on lui a dit, écoute, arrête d'embêter Jésus, ta fille est partie. But Jesus does something unusual and says, I'm coming to your house. And actually goes to the man's home. Et Jésus fait quelque chose d'inhabituel. Il lui dit, écoute, je viens dans ta maison. Once he gets there and people are crying, Jesus asks another unusual question. Et donc, pendant qu'il arrive là, il trouve les gens en train de pleurer, Jésus pose une question inhabituelle. He literally asks them, why are you making a fuss and why are you crying? She's sleeping. She hasn't passed away. Il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous faites du bruit? Pourquoi est-ce que vous pleurez? L'enfant dort, elle n'est pas morte. And what happens? They laugh at him. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se sont moqués de lui. They laugh at him so much that he decides that everybody needs to get out, except for the little girl's mother and father. Ils se sont tellement moqués de lui qu'il a demandé que tout le monde sorte, excepté le père et la mère de la petite fille. At that point, then, he speaks life over the girl. Et à ce moment-là, il a déclaré la vie sur cette fille. He tells her to arise. Il lui a dit de se lever. And in verse 42, I think it says that straight away she arose and she walked. Et au verset 42, directement, aussitôt, elle s'est levée et elle se mit à marcher. This is someone who a few seconds before was dead. C'est quelqu'un qui, il y a quelques secondes seulement, était morte. And again, it was really based on Jairus's faith. Et de nouveau, cela était basé sur la foi de Jairus. So let's look at that. Donc regardons donc à cela. After the storm, après la tempête, where Jesus had taught people about faith, but they hadn't quite used it. Jésus avait enseigné aux gens la foi et les gens ne l'avaient pas vraiment utilisé. We get back-to-back examples of what happens when your faith is acted upon. Et nous avons là un exemple par après de ce qui arrive lorsque l'on agit selon la foi. In the moment where some were weak and some were strong, et dans certains moments, certains sont faibles et certains sont forts. Lessons were learned. Des leçons ont été apprises. And after the storm, such a strong storm, came healing and restoration and spreading of the gospel. Et après une telle tempête si forte, on a eu des guérisons, des restaurations et l'évangile qui s'est étendu. So if we look at it again, so before the storm came the word. Donc si nous regardons de nouveau, avant la tempête, la parole est arrivée. The word came to give teaching and gave faith. La parole est venue pour donner un enseignement, pour donner la foi. And allow those who heard it to know how to walk in that authority. Et permettre à ceux qui l'ont entendu de marcher dans l'autorité. A storm then hit, which came for that very word. Une tempête a frappé et elle est venue pour voler cette parole. But then straight after the storm, mais juste après la tempête, we saw the results, or we see the results of what happens when this faith holds strong. Nous avons vu les résultats lorsque cette foi est forte. So I just want to encourage you through this word that even though you may be facing one of the biggest storms of your life, et donc, je veux vous encourager au travers de sa parole, même si vous expérimentez un des orages les plus forts dans votre vie. Even though you may find yourself in a position where you think that you might be like the disciples, where you're like, Jesus, don't you care about me? I'm about to die. Même si vous vous trouvez dans une situation comme les disciples où vous dites, Jésus, est-ce que tu ne te soucies pas de moi? Je suis prêt de mourir. If we will be careful about how we hear, si nous faisons attention à la manière dont nous entendons and how we receive the word, et à la manière dont nous recevons la parole, and put ourselves in a position where we can be strong in faith and strong in our authority, nous nous mettons dans une position où nous pouvons être forts dans notre foi et forts dans notre autorité, then we can be confident that we will see restoration and healing and God can get the glory out of our situations.
et nous pouvons avoir l'assurance que nous aurons une situation où nous verrons la guérison, la restauration, et Dieu recevra toute la gloire. Regardless of the depth of the storm, peu importe la profondeur de la tempête, we can still be confident that we'll come out of the other side well. Nous pouvons toujours avoir l'assurance que nous allons arriver de l'autre côté du bord sain et sauf. And our faith should give us hope. Et notre foi doit nous donner de l'espérance. It's not a lost cause. Ce n'est pas une cause perdue. There is hope after the storm. Il y a de l'espérance après la tempête. Amen. Amen. So I pray that's been a blessing. Je prie que cela ait été une bénédiction. Right, it's been an encouragement. Je prie que cela ait été un encouragement. And that although it might seem to be the very basic thing to do, a reminder that there is hope after the storm and that the word and our faith is enough. Et donc, même si cela semble être une base, je veux juste rappeler qu'il y a de l'espérance après la tempête. And after the hope after the storm. And there's hope after the storm and our faith is enough. Et notre foi est suffisante. Amen. Amen. Praise God. So I'm Louons le Seigneur. Pastor. Je vais rendre la main à Pasteur Frank. So have a wonderful evening and bear with us one moment. Passez donc une belle soirée.